Oh, l'équipe de salauds qu'on a. Je crois que c'est pas autorisé sur League of Legends. Hein. Tristana Twitch avec Zilean Kale. Contre un Z. Oh, un Wukong. Ça va être trop trop bien. Ok, let's go. Let's go, let's go. Je vous avais dit que j'allais m'entraîner sur Kale. Là, avec Vladimir, il me reste encore beaucoup d'entraînement, je le sais. Mais j'avais envie de jouer Kale dans cette game. J'aurais pu jouer Vladimir encore hein, pour être contre Z. Ça allait totalement marcher. Mais je me suis dit... Après, on avait déjà un Zilean. Du coup, c'est vrai que ça me faisait un petit peu chier. Parce que si on fait tous les deux notre ult en même temps, ça risque de pas le faire, en fait. Kong, on l'a vu, je sais, je sais. Peut-être dans mon buisson... Ah ouais, il fait mal, j'avais oublié qu'il avait Ignite. Putain, le con! Pas mal comme fait ça. Ah merde, je pensais que c'était Garen avec nous. Je vais augmenter ma vitesse de déplacement. Oh tu... Non, on va pas l'avoir. Oh oui baby. C'est mort. On booste sa vitesse. Je suis dead. Ah non, putain, mais les Tabi Ninja font vraiment le taf là de ouf. Oh, les 15%! Mais Tabi Ninja! Mais Tabi Ninja! Mais Tabi Ninja! Jamais. J'ai ma rune. Allez, ciao. Cliquez derrière. Allez, je te booste en vitesse. Toi, t'as pas de ninja ta vie aussi. Donne du mouvement de speed. Ah mais là je suis mort. Ah Garen un petit peu trop souvent mid cam. Mais j'étais vachement résistant en vrai. Tu te ult? Ok c'est bon. Pas mal. J'ai très très mal joué, mais est-ce que c'est important? Nice, j'ai touché H pour le finir, c'est parfait, merci H. Vas-y, je booste le Twitch. Parfait. Mais j'en étais sûr qu'on allait faire l'ultime et tout à chaque fois. J'étais sûr que... Zilean et Kale c'était de trop en fait. En solo queue c'est de trop parce que tu peux pas tu peux pas dire oh, ok moi je vais... Oh putain merde j'avais pas vu. J'avais même pas vu putain. Il m'a fait peur hein. Il m'a fait peur, c'est à dire que on va ult en même temps parce que nos deux ults potentiellement en même temps. C'est un petit peu con. Ultra résistant, c'est chaud.
Ah écoute, c'est du free farming là. Essaie de me toucher lui hein. Ah putain, j'étais pas là. Dommage. Nice, let's go. Bon, j'avoue, je suis peut-être un petit peu support Kayle là. En même temps, c'est la composition d'équipe en fait. Genre, j'ai deux ultra ADC. Je préfère être très résistant et de pas mettre tout le team sur moi que sur eux. Après, pour les main Kayle, vous me dites tout. Je lis vos commentaires, c'est génial. Mais je pense, franchement, le choix de partir avec plus d'armure est intéressant. Après, c'est vrai qu'ils sont mêlés, du coup, en fait, ils me touchent même pas. Mais après, c'est peut-être parce qu'on snowball aussi, ils peuvent pas vraiment. Je sais pas. Là, j'avais peut-être pas besoin de le finir, mais bon, tant qu'à faire. Hein. Alors, il y a deux écoles, il y en a qui prennent Renan, il y en a qui prennent Ginzo. Moi, je vais prendre Ginzo parce que je suis plus support. Du coup, je vais plus prendre de la paix, en fait. Encore une fois, je sais pas trop, c'est ce que je pense. De toute façon, au niveau build, tout ce qu'il fallait prendre, c'était Tabinulu, en fait. Contre cette équipe, je rappelle, c'est contre cette équipe, parce qu'ils sont full AD en face. Ils prennent de la létalité. Et Toucan l'a dit, la létalité contre de l'armure, c'est de la merde. Là, je me suis pris un petit peu dans la gueule. Alors, touche 3, ça, qui est très bien. On est invincible, mec. On est invincible avec cette composition d'équipe. Je crois que t'as pas encore compris ça. La petite vision. Ouais, fais gaffe, toi. GG. Là, plus, j'ai un petit peu de soin. Ouais, non, mais regardez tout le soin que je donne, en fait. En montant W et en ayant un petit peu d'AP, je trouve que c'est vraiment trop pratique. Je pense que j'ai fait le bon choix. Mais encore une fois, c'était très bizarre, comment dire... C'est très particulier, une team full AD en face. Attends, je vais l'healer, lui. Ouais, en plus, on a une compo genre AD centrique. On a un Zilean. Par contre, s'il y a déjà un Zilean... Je pense pas qu'elle soit vraiment un bon choix en solo queue. C'est-à-dire que on est tellement pas synchronisé en fait. En tout cas, GG. Hein. Oh putain. Ok, j'avoue, là c'était ultra agréable à jouer. Dépendamment des teams en fait. Mais je pense que des fois c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça, là je m'entraîne avec des champions pour justement contrer certaines situations ou améliorer certaines situations et c'était ultra kiffant. Donc GG, ils ont tous été très très bons. Nice, et eh ben on est plat 1, c'est cool. Well played, well played. Bon, on a pas fait beaucoup de dégâts. Ah, quand même. Ok. Super, super game. J'ai trop trop kiffé. Donc encore une fois, j'ai dû faire quelques erreurs. Dites-moi si, même dans cette situation-là, vous aurez pris la vitesse d'attaque. Au niveau du build aussi, je vais voir si, pour ceux qui jouent Kayle, les deux écoles, est-ce que vous prenez tout le temps dans Nashor en premier? Pour moi c'est obligé hein. Je trouve que c'est trop trop fort dans Nashor en première, en premier objet. Mais en deuxième c'est soit Runan, soit l'autre. Mais je pense que Runan c'est si il y a des teamfights. Et Ginzo c'est si t'es plus support et que tu split push, non? Ou que tu fais souvent des 1v1. Bref, et aussi au niveau des runes. Donc bref, encore une fois, on en parle dans les commentaires. C'est ultra agréable de vous lire. Et puis, on se dit à bientôt. Ah mais non, aujourd'hui, hey, c'est le coach abonné, justement. Du coup, moi, j'adore les coachs abonnés parce que ça me donne plein d'idées de champions à jouer. Donc, on se retrouve. Ce sera sur Twitch, ce sera sur YouTube. C'est à 20h le samedi, donc c'est aujourd'hui.
Donc on s'attend sur Discord, lien dans la description, il y a plein d'inscriptions. Par contre c'est les plates diamants là. Donc il y aura peut-être moins de gens. Donc on va voir. A plus les gens, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt, ciao bye.